Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Athanasiadis and Stefan Kamperman at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers, and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stefan Kamperman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans le sixième épisode du podcast Circular Métabolisme, nous avons pu discuter avec Thierry Maréchal, chargé de développement de l'économie circulaire à la ville de Paris. Thierry fait partie de l'agence de l'écologie urbaine, en d'autres mots c'est le service environnement de la ville de Paris, qui a pour but de piloter des plans environnementaux tels que le plan climat-énergie, le plan biodiversité, mais aussi le plan économie circulaire. Mais aussi de s'assurer de la cohérence entre tout ceci, ainsi que de mobiliser les acteurs qui rendent ces plans opérationnels. Dans cet épisode, nous aurons accès aux coulisses d'une administration urbaine qui a pour objectif de mettre en place une stratégie en économie circulaire. En effet, comme pour beaucoup d'autres villes, le parcours vers l'économie circulaire commence par une volonté politique forte, et dans le cas de Paris, il s'agit de la maire, Madame Anne Hidalgo, qui a initié ce mouvement. Pour opérationnaliser cette idée, le service de Thierry a organisé en 2015 les états généraux de l'économie circulaire réunissant plus de 200 acteurs et a donné naissance au livre blanc de l'économie circulaire du Grand Paris qui comportait 65 recommandations. Le réel enjeu cependant était de transformer ce livre blanc en une politique municipale et un plan d'action d'économie circulaire avec un pilote, un calendrier et des moyens. En 2017, la première feuille de route d'économie circulaire de Paris voit le jour avec 15 actions se focalisant sur 5 axes. Premièrement, la construction et l'aménagement. Deuxièmement, la réduction, le réemploi, la réparation et la réutilisation. Troisièmement, le soutien aux acteurs. Quatrièmement, la commande publique et finalement un cinquième axe concernant la consommation responsable. Aujourd'hui, la deuxième feuille de route est mise en place avec tout autant d'actions mais se focalisant principalement sur la sensibilisation, l'éducation, l'administration responsable et comment reboucler des flux au niveau très local. Nous discutons également du rôle particulier de Paris en termes de gouvernance et de gestion de flux, puisqu'il s'agit d'un territoire qui est à la fois une commune, un département et un des 12 territoires de la métropole du Grand Paris, fraîchement créé en début 2016. En effet, il est clair qu'il est nécessaire de collaborer entre les différentes échelles, puisque Paris est évidemment très dépendant de son hinterland et les acteurs qui transforment et bouclent les flux se trouvent souvent à la périphérie de Paris. Un des moyens pour collaborer entre les différents territoires et villes est de communiquer les meilleures pratiques entre les administrations et les différents acteurs économiques. Par exemple, Paris collabore de manière étroite avec un autre des 12 territoires du Grand Paris, nommé Pleine Commune, parce qu'ils partagent des enjeux très similaires, mais aussi différents acteurs qui sont actifs dans les deux territoires simultanément. Pour finir, je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai demandé à Thierry comment il voyait l'interaction des plans opérationnels tels que celui de l'économie circulaire avec le monde académique. Il m'explique que selon lui, bien que le monde académique peut avoir des temps beaucoup plus longs, celui-ci peut par exemple permettre une réflexion à plus long terme et aider à réfléchir aux tendances futures. La recherche permet également de pouvoir projeter les résultats et les impacts des solutions mises en place aujourd'hui, dans le futur du coup, afin d'éviter les fausses idées et offrir une meilleure aide à la décision pour les différents acteurs. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher et n'hésitez pas à nous y laisser un commentaire.
Bon, bah, tout d'abord, bonjour. Donc, je m'appelle Thierry Maréchal. Donc, je travaille à l'Agence d'écologie urbaine, qui est le service environnement de la ville de Paris, qui globalement a trois grandes missions. La première, c'est de piloter des plans environnementaux, donc comme le plan climat-énergie, comme le plan biodiversité, comme le plan économie circulaire, qui est plus récent. D'amener une expertise environnementale pour les différentes directions. Ceci afin de s'assurer qu'entre les plans municipaux ou les plans environnementaux, il y a une cohésion en fait entre les actions. Et la dernière, c'est de mobiliser les acteurs du territoire. Voilà. Donc, bien que nous sommes situés au sein de la direction des espaces verts et de l'environnement, on a quand même une mission assez transversale du coup à la ville sur ces questions-là. Même si ce sont la plupart du temps les directions qui sont opérationnelles sur les actions qui ont été votées au sein des différents plans environnementaux et municipaux. Alors comment on en est arrivé à parler d'économie circulaire ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, c'est une volonté municipale et politique, puisque Anne Hidalgo, dans son projet de mandature, avait très clairement placé l'économie circulaire au sein des projets qu'elle voulait mener durant sa mandature. D'ailleurs, ça a été confirmé puisqu'elle a nommé une adjointe en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire, qui est Antoinette Gull. Donc, dans la feuille de route d'Antoinette Gull, il était clairement inscrit qu'il fallait qu'elle mette en place les états généraux de l'économie circulaire. Donc, en tant que service environnement de la ville, et de fait, vu qu'il y a des enjeux environnementaux pour se lancer dans une politique d'économie circulaire, notamment sur les ressources, l'Agence d'écologie urbaine a donc, en 2015, mené les états généraux de l'économie circulaire. Donc, donc nous avons lancé en 2015 les états généraux de l'économie circulaire, qui a réuni environ 240 acteurs différents et qui a permis d'élaborer le livre blanc de l'économie circulaire du Grand Paris, qui comporte 65 actions ou 65 recommandations d'actions. Donc ce sont des actions qui ont été dressées par les différents acteurs présents aux ateliers, puisqu'on a mené des ateliers pendant 6 mois avec les différents acteurs. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est remonté du terrain, qui est remonté des différents acteurs. Voilà. L'enjeu ensuite a été de transformer ce livre blanc en une politique municipale et donc en un plan d'action économie circulaire. Donc le choix a été fait de travailler sur des feuilles de route différentes qui chacune comportent entre 10 et 15 actions pour pouvoir avancer par paquet et pour pouvoir avancer de manière opérationnelle. Donc la première feuille de route a été adoptée en même temps que le volet stratégique du plan économie circulaire en 2017. Elle comporte 15 actions autour de grandes thématiques comme la construction et l'aménagement, la réduction, le réemploi et la réparation, le soutien aux acteurs, la consommation durable et une cinquième. Voilà. Et du coup, on a travaillé là de nouveau avec les acteurs pour faire une définition opérationnelle de ces actions. Donc l'idée était de les faire les plus opérationnelles possibles avec un pilote identifié, avec des séquences de travail identifiées, avec un calendrier, avec des moyens. Donc on peut retrouver tout ça dans la feuille de route 2017. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la deuxième feuille de route, donc comme il était prévu. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette première et seconde ? Alors, sur cette seconde feuille de route, on sera sur des actions sur d'autres thématiques. On sera sur des thématiques de sensibilisation, par exemple, d'éducation. On sera sur des thématiques d'administration responsable. Et sur une autre thématique qui sera plutôt en lien un peu avec l'écologie industrielle et territoriale, et avec les flux, c'est comment, au niveau très local, faire de la valorisation des eaux de pluie, par exemple, ou de la récupération d'énergie, et ce, à un niveau très local. Il faut savoir que l'idée du plan économie circulaire, c'est pas de mener une politique... c'est de mener une politique globale, mais c'est une politique complémentaire des autres politiques de la ville de Paris. Donc, sur les questions énergétiques, par exemple, on a le plan climat, qui a un certain nombre d'actions sur les questions d'énergie renouvelable. Donc, l'idée dans cette future feuille de route sur l'énergie, c'est de travailler en complément des autres feuilles de route municipales et d'amener une dimension économie circulaire ou relation entre les acteurs sur la définition de ces nouvelles actions. Voilà. C'est comme ça que la politique économie circulaire a été menée. Elle est de manière complémentaire avec les autres politiques municipales. Et donc, tu as parlé du livre blanc qui était plutôt à l'échelle de Grand Paris.
mais votre feuille de route qui est plutôt à l'échelle de Paris, si je comprends bien. Absolument. C'est-à-dire qu'entre les états généraux de l'économie circulaire qui ont eu lieu en 2015 et la feuille de route qui a été adoptée en 2017, le Grand Paris a été créé, à savoir au 1er janvier 2016. Donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que lors des états généraux, on a un petit peu anticipé aussi la création de la métropole du Grand Paris en ouvrant effectivement nos ateliers aux acteurs du Grand Paris. Et c'est important parce que l'échelle métropolitaine, en termes d'économie circulaire, en termes de flux, en termes d'acteurs, est vraiment importante parce que tous les acteurs qui agissent sur le territoire parisien ne sont pas forcément strictement basés non plus à Paris. On sait que le foncier à Paris, la pression du foncier est importante, donc certains acteurs, par exemple de l'USS, sont évidemment obligés d'avoir des bases arrières sur des emprises foncières moins coûteuses, enfin voilà, donc il était important de travailler avec les acteurs de la métropole. De même, si on regarde en termes de métabolisme urbain les flux, on sait que Paris est complètement dépendante de son environnement proche. Donc c'est pour ça que ça avait du sens effectivement de travailler avec tous les acteurs de la métropole du Grand Paris. Voilà. Et comment fait-on pour s'assurer, entre guillemets, qu'il y a une cohérence, que ce soit au niveau de la gouvernance, mais aussi au niveau des actions, des flux, aux deux échelles simultanément, parce que nous aussi à Bruxelles, il y a cette question de métropole, mais qui s'étend sur d'autres régions également. Ici, ça reste dans la région Île-de-France. Mais comment gère-t-on ce type de gouvernance? C'est une très bonne question. En fait, tout est en train de s'écrire aujourd'hui. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Pour la bonne raison, c'est que par exemple, la région Île-de-France est en train d'élaborer son plan déchets, la métropole est en train de se construire. La métropole a identifié ça parce qu'en fait elle anime un réseau de référents économie circulaire sur les différents territoires. Donc et les différentes communes. Donc du coup, je crois qu'il y a 142 communes qui sont présentes dans leur groupe de travail, avec à chaque fois un référent politique et un référent technique. Ce qui permet d'avoir un peu des échanges d'expériences entre les différents territoires. Donc la métropole a déjà un peu identifié cette question-là. La ville de Paris, nous, on a une position un peu particulière parce qu'on est à la fois une commune, à la fois un département et à la fois un territoire du Grand Paris. Donc on a aussi évidemment notre rôle à jouer en termes de retour d'expérience et d'échange de bonnes pratiques, et on le joue très volontiers. On travaille d'ores et déjà de manière aussi plus étroite avec certains territoires, par exemple Pleine Commune, qui a aussi une démarche de métabolisme urbain qui pour eux est plus centrée peut-être sur la question des matériaux de chantier et des constructions et de l'aménagement, ce qui est logique par rapport à leur territoire. Et du coup, on travaille de manière assez étroite parce qu'on a identifié qu'on avait les mêmes enjeux et qu'on travaillait avec les mêmes acteurs. Donc il était important qu'aussi on unifie un petit peu nos actions. Donc du coup, on a créé des groupes de travail pour échanger ensemble sur ces questions-là. Donc voilà, je dirais que les choses sont en train de se construire et se stabiliseront petit à petit. La région, on est quand même sur une... On va encore au-delà, parce qu'on va au-delà de la métropole, ou même de l'aire métropolitaine. Hein. Donc du coup, voilà. Je pense qu'au niveau de la gouvernance, il n'y a pas trop de soucis ou de questions à se poser, je dirais, entre la région et Paris. C'est peut-être plus au niveau métropolitain, vraiment, où là, on voit qu'il y a des pressions qui sont beaucoup plus importantes. Et dans cet échange de bonnes pratiques, que ça soit entre Paris et sa métropole, je pense également, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, c'est pour un échange de bonnes pratiques entre villes par exemple, entre Paris et Bruxelles. On a des approches un peu différentes, même si elles sont assez similaires. Nous avons des enjeux similaires, comme toute ville européenne, on est très dépendante à certains flux. Au territoire, enclavé, mais aussi on a parlé d'économie sociale et solidaire. Quel type de bonnes pratiques ou comment peut-on échanger entre villes? Est-ce que c'est entre acteurs, entre administrations? Quel est le meilleur moyen de faire circuler ces bonnes pratiques? Bah, je pense que c'est un peu à tous les niveaux. Hein. C'est effectivement entre administrations parce qu'on mène des politiques publiques, donc c'est important aussi de pouvoir se nourrir des expériences des uns des autres. Après, en termes d'action concrète, je pense que c'est très important aussi qu'il y ait un échange entre les acteurs économiques. Il y a beaucoup de choses qui sont reproductibles d'un pays à l'autre. Je vais donner un exemple concret. Il y a des échanges en ce moment entre les Pays-Bas et la France. Il y a un échange en cours au niveau des deux pays, mais plus particulièrement l'ambassade des Pays-Bas à Paris
mène aussi une démarche économie circulaire et organise des échanges entre les Pays-Bas et les Pays-Bas et la France. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait des rencontres où on voit qu'il est très intéressant aussi que les acteurs économiques soient présents pour expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils proposent comme solution. Un des enjeux vraiment importants pour les territoires, c'est d'accompagner les acteurs économiques. C'est de leur offrir le terrain d'expérimentation, de leur offrir les moyens, de leur offrir les conditions pour qu'ils puissent déployer leurs solutions. Voilà. Ça paraît primordial, effectivement. On ne pourra pas faire ça sans les acteurs économiques qui vont pouvoir développer des solutions, quoi. Voilà. Oui, et il faut être aussi à l'écoute de leurs besoins. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir des grands acteurs comme des plus petits acteurs. Il peut y avoir des acteurs traditionnels comme des acteurs de l'ESS qui ont des besoins différents. Donc du coup, c'est important aussi d'échanger avec eux. Ça nous permet, nous aussi, en tant qu'acheteurs, puisque de faire du sourcing, c'est-à-dire d'aller aussi voir les acteurs, voir ce qu'ils font pour pouvoir intégrer ça dans nos cahiers des charges, dans nos marchés publics. C'est-à-dire que on peut parfois avoir de fausses idées à se dire qu'on pourrait tout de suite mettre des obligations très strictes dans nos marchés, par exemple sur les matériaux de chantier, à dire bon bah là ok, demain on passe tout 70% de valorisation, puis finalement derrière il n'y a pas le marché. Donc voilà, donc c'est vraiment important aussi de travailler ensemble, quoi. C'est comme ça que naissent les solutions. Et les frontières aujourd'hui entre les administrations, les associations ou les entreprises sont de plus en plus étroites et on est forcé de travailler ensemble. Donc voilà, je pense que les échanges doivent se faire à tous les niveaux. Parlons d'un autre acteur qui est celui dont je fais partie, les acteurs académiques. Tu as parlé du lien entre métabolisme urbain et économie circulaire. Quel est au fait le lien entre, disons, peut-être une discipline plus académique qui est le métabolisme urbain, qui est plutôt le monitoring des flux et la compréhension des dynamiques, avec des actions terrain économie circulaire qui, elles, mobilisent plutôt administration et associations ou entrepreneurs. Donc comment peut-on allier les deux dans une ville comme Paris ou Bruxelles ? Ben, je ne sais pas trop, en fait. Mais c'est pareil, c'est une question assez globale, donc je pense à plein de niveaux différents. Qu'est-ce que, par exemple, toi, tu aurais besoin d'un secteur académique pour te fournir, pour avoir une meilleure idée sur quel type de marché tu voudrais avoir ou quel flux serait plus intéressant. Est-ce que c'est un accompagnement continu? Est-ce que c'est plutôt par moment? Quel type d'échange devrait-on favoriser pour rendre bénéfique Ben, je pense que c'est vrai que nous, on est dans une vision très opérationnelle de nos actions. Parfois, le temps académique n'est pas le même temps que, même si dans l'administration, le temps peut être très long. Mais on n'est pas forcément sur les mêmes échelles de temps. Néanmoins, moi, je pense qu'on a vraiment besoin de la recherche pour travailler sur les nouveaux modèles économiques, par exemple, sur les nouveaux échanges de flux, sur les nouveaux modes d'échange de flux, sur les nouveaux modes logistiques en ville, sur... Et j'ai tendance, mais peut-être j'ai tort, à me placer du coup à une échelle un peu plus lointaine, mais en même temps, si on n'intègre pas dès maintenant les possibilités d'évolution de l'organisation de la ville, par exemple, ou de l'aménagement de la ville, dans nos politiques actuelles, eh ben, peut-être que ça ne sera pas assez efficient. Donc il faut, je pense, donc on a forcément besoin effectivement de cette recherche pour pouvoir anticiper peut-être l'avenir et puis pour pouvoir proposer des solutions ou des actions qui se projettent un petit peu dans le temps. Donc je pense que c'est intéressant aussi ce regard, ces différentes évolutions. Si je prends par exemple la récente recherche qu'avait fait Vincent Gisot là, sur les stocks de matière en ville, bon, ben pour nous, c'est hyper intéressant d'avoir ces données-là disponibles, d'avoir cette connaissance disponible pour pouvoir d'ores et déjà intégrer ça aussi dans notre réflexion. Donc voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, l'étude qu'a faite Sabine Barle, si l'étude n'était pas disponible au moment où on a lancé notre démarche de métabolisme urbain, on n'aurait pas lancé de politique publique telle qu'on l'a lancée au départ. Et ces données sur le métabolisme urbain n'auraient pas pu nourrir après notre démarche sur le plan économie circulaire. Donc voilà, donc je pense que c'est complémentaire, c'est important. Il peut y avoir aussi des études plus précises ou plus spécifiques. Là, je pense par exemple à notre action sur le développement de synergies interentreprises sur le quartier des Deux-Rives.
sur la façon d'accompagner les acteurs et sur la façon à long terme de pérenniser les synergies qui pourraient être mises en place entre les acteurs, eh ben on a aussi là, je pense, besoin de la recherche pour anticiper un peu la démarche suivante. Alors c'est à la fois comparer ce qui se fait, évaluer ce qui s'est fait, mais je pense aussi surtout anticiper l'avenir et voir, imaginer un peu vers où on va aller, pour pouvoir se projeter. On n'a peut-être pas, nous, toujours cette capacité, en tout cas ce temps aussi, à pouvoir se projeter, À s'extraire, à j'imagine. s'extraire et voilà, et à se projeter dans le résultat que pourraient donner nos actions ou dans les impacts que ça pourrait donner. Voilà. Et le dernier point, je pense, c'est en termes d'impact, ça me paraît nécessaire. Si on n'avait pas des données sur les impacts des projets, on ne pourrait pas prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que, par exemple, l'an dernier, on a pris du temps pour faire une étude d'évaluation des projets de l'appel à projets Métabolisme Urbain, enfin pour 6 d'entre eux, parce qu'on peut aussi des fois se faire de fausses idées, à savoir, bon, bah, tel type de projet, parce que c'est l'économie circulaire, ça va avoir un impact positif, enfin en tout cas, ça amènera moins d'impact sur l'environnement. On n'est pas forcément sûr à 100%. Là, maintenant, avec notre étude, on est capable de dire oui ou non et dans quelle mesure. Parce que ça dépend évidemment des échelles. Pas linéaire, ouais. C'est pas linéaire. Ouais. Donc voilà. Et ça permet, c'est une aide à la décision. C'est-à-dire que, par exemple, l'étude qu'on a menée, nous, a permis aux acteurs économiques de leur dire bah, voilà, vaut mieux vous orienter vers tel type de solution. Vous allez diminuer par deux votre impact et vous allez pouvoir favoriser l'emploi local. Et pour votre image de marque, ce sera mieux. Mais s'il n'y avait pas eu ce temps de recherche et d'études autour de l'évaluation des projets, on n'aurait pas pu avoir ce recul. Donc voilà, ça permet d'amener un certain recul aussi sur les actions.